Serge Fiori, comment vous avez été amené à travailler avec Neil Chotem? C'est à l'intérieur de l'heptade, quand on a commencé à écrire l'heptade, à cause de la façon que ça a été fait. C'est-à-dire, par exemple, quand tu te consacres là, entièrement à écrire quelque chose, puis à un moment donné, il se passe qu'il y a bien de l'intensité qui se développe, tout ça, il y a de la recherche qui se fait, puis finalement, tout le thème de l'heptade s'est développé. Puis on sentait qu'à l'intérieur de tout ça, il y aurait sûrement des nouvelles choses qui se passeraient, puis des nouvelles personnes qu'on rencontrerait. Puis la plus importante, finalement, ça a été la rencontre avec Neil. Puis ça a été fait d'une façon qui était assez spéciale, parce que Neil, à ce moment-là, travaillait sur... travaillait, je veux dire, il développait le même genre de thème que nous autres, c'est-à-dire une musique basée sur la numérologie puis la magie extrait de Pythagore. Ça, c'est donné que on a vu ça par hasard encore, mais bon, tout ça pour dire qu'on s'est rencontrés bien naturellement. Puis au moment où on a vu l'émission en question, on a contacté Neil. Et puis la première fois qui est arrivée chez nous, puis qu'on a commencé à parler, ça c'est. On n'a même jamais discuté du fait qu'on ferait quelque chose ensemble ou comment on le ferait. Ça, c'est juste. C'est venu naturellement. C'est venu naturellement, puis c'était. Ça faisait longtemps, je pense, qu'on voulait rencontrer Neil Chotem, tu sais, finalement. C'était pas, pour moi, c'était pas un hasard. Qu'est-ce que ça vous a apporté de travailler avec Neil Chotem? Avant tout, une expérience. On parle souvent, à cause de l'âge de Neil, peut-être de barrières musicales. Finalement, Neil n'a pas de barrière. Peut-être que nous autres, on en a, mais lui, il n'en a pas. C'était avant tout une stimulation. Je pense que c'est le plus grand don qu'il pouvait nous donner, c'est la plus grande chose qu'il pouvait nous donner. C'est l'amour de la musique. On a réalisé qu'il n'y a finalement pas de fin à ça pour un musicien. Je pense que c'est ça le plus grand cadeau que Neil nous a fait. Un grand goût de travailler, je pense, de persévérer dans les choses qu'on entreprend, puis de suivre l'émotion qu'on a aussi, de pas abandonner ça, qu'une fois que ça, c'est là, de toujours rester là-dessus. Au début, il m'apporte un respect aussi parce que il y a toute une approche, puis un côté bien spécial d'aborder la musique qui fait que quand il s'est retrouvé avec nous autres, le groupe a comme... c'est comme rassis un peu, puis il dit, où c'est qu'on est rendu, puis qu'est-ce qu'on fait, puis... Puis finalement, on s'attendait à une collaboration peut-être plus plus technique, plus et puis ça a pas été ça du tout parce que je veux dire c'est sûr que Neil a un côté technique très développé puis à cause de ce qu'il a fait. Mais ce qui est extraordinaire de Neil, c'est que c'est pas important puis je veux dire c'est pas là-dessus qu'il base son affaire. Fait que finalement, il s'est développé beaucoup de sentiments entre nous autres. Oh,
Neil, est-ce que vous êtes optimiste pour ce qui est de l'avenir de la musique au Québec par rapport à ce qui se fait ailleurs en musique aussi? Oui, je suis très optimiste. Je trouve que... Bon, ça ne me surprend pas si le Québec devient centre pour exportation de musique populaire. Je trouve qu'il y a un esprit émotionnel, vivant ici, dans la musique. Et le côté technique est très développé aussi. Le côté créateur, c'est toujours une question, un certain esprit qui a du succès dans les autres pays. Comme on a eu une époque ici où Ravi Shankar, la musique aux Indes, tout à coup, c'était populaire, comme maintenant, un groupe Yes ou Rolling Stones. Ça ne me surprend pas si bientôt un groupe de Québec a un succès dans le monde. Quelle sera la prochaine étape dans la carrière de Neil Chotem, le musicien? Well, comme je dis, depuis 12 ans, je fais régulièrement ma pratique au piano et j'aimerais faire des tournées comme pianiste encore. Ah oui? Mais avec un programme différent. Au lieu, j'aimerais jouer les œuvres classiques ou modernes. Mais au lieu de jouer les morceaux comme des rhapsodies de Liszt, qui étaient des arrangements de folklore hongroise il y a 100 ans, moi j'aimerais jouer des arrangements de musique qui est populaire aujourd'hui, le même concert. Par exemple, des extraits de l'heptade dans les arrangements pour piano classique. Ah oui, ça fait bien. Au lieu de Liszt. Et j'ai fait quelques compositions, comme la composition vers l'infini, qui est dans cette direction-là. Alors, pour moi, ça va faire un récital très différent de voir les choses d'aujourd'hui dans le domaine populaire, combiné avec les classiques.